Ésaïe, chapitre 4. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront, « Nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie.